Hier, Harlem s'est fait désirer. En attendant, les militants distribuaient le programme à la sortie du RER. Les passants ne semblent pas vraiment intéressés, mais Harlem a l'avantage de bénéficier d'une certaine notoriété. Pour moi, Harlem Désir, c'est Touche pas à mon pote. Je suis de la génération adolescente du temps de Touche pas à mon pote. Donc pour moi, c'est surtout ça. D'après Harlem Désir, les citoyens se désintéressent des élections faute de connaissances sur les compétences de l'Europe. L'élection européenne est parfois présentée à tort comme une élection de deuxième ordre, alors que le Parlement européen a dans beaucoup de domaines plus de pouvoir que l'Assemblée nationale. Vous savez que beaucoup des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont en fait simplement la transposition de lois que nous votons d'abord au Parlement européen. Au final, plus d'une heure d'attente pour le rencontrer, mais le jeu en valait la chandelle. Poignée de main chaleureuse et dédicace suivent. Pour ne pas déroger à la tradition des campagnes électorales, la visite se termine par un pot convivial à Boussy-Saint-Antoine.